Fenêtre culturelle, rentre la cause, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons parler Kilti, mais avant d'apprendre un grand point, nous allons pour nous développer pour asseoir. Deux poètes haïtiens, Witensky Lovens et Argens Jean-Marie, qui ont un livre qui titre une après l'autre, Brûler les ténèbres, accroche ses premiers poèmes, vous voyez déjà. Remporté dans deux catégories, première édition, prix international de l'invention poétique et de la traduction en langue créole, samedi 28 mai 2022, en occasion Festival international Mes Poésies dans le pays Martinique. Honorons les mamans, c'est un baptême ça, institution mère Marianne de Pétionville, réalisé dans le Calio dimanche 29 mai, et en festivité dans l'occasion Fête Maman. Diverses prestations danse, chant, récital, instruments, avec déclamation poésie, t'es exécuté dans l'occasion, sous initiative Élève l'école, en présence plusieurs parents qui t'ont fait déplacement. Responsable organisation Filles à besoins spéciaux pour la réforme, inauguré un local tout neuf vendredi 27 mai à Crissoir. Sentila gagne une bibliothèque avec une salle informatique qui disposait tout moyen pour faire recherche. Ce titre ça avec diverses informations pour le développer pour assurer la fenêtre là pas déplacer la porte. Valdivieso, une histoire qui a débuté en 1879 sur la terre chilienne. Avec des hommes et des femmes soucieux de la qualité, les vins et champagnes de Valdivieso sont aujourd'hui présents dans le monde entier. Du vignoble à la table, c'est une tradition de qualité. Valdivieso occupe la tête des classements en matière viticole et continue de gagner de nombreuses médailles. Valdivieso s'invite aux plus prestigieux événements et aux plus grandes tables. Pour des fêtes de fin d'année, pour des moments d'amour ou d'amitié, pour vos rencontres en famille, entre collègues, ajoutez la touche merveilleuse et pétillante de Valdivieso. Valdivieso vous souhaite déjà un joyeux temps des fêtes. Valdivieso, parce que vous méritez le meilleur. Pour contribuer à la formation d'enseignants compétents et qualifiés, le Collège Saint-Pierre de l'Église épiscopale d'Haïti lance cette année, à travers le CFEF, Centre de formation pour l'école fondamentale et les jardinières d'enfants, les programmes de cours suivants. Après 3 années, l'étudiant obtient l'un des diplômes suivants. Diplôme de jardinière d'enfants. Au niveau fondamental, diplôme en langue, en mathématiques, en sciences expérimentales, études sociales, conseiller pédagogique. Pièce exigée, acte de naissance ou extrait des archives, copie d'une pièce d'identité valide, diplôme de fin d'études secondaires, frais d'inscription 1000 gourdes. Après les inscriptions, le postulant doit subir un test d'admission à l'écrit suivi d'entrevue. A noter que les diplômés du CFEF peuvent enseigner aux 3 cycles de l'école fondamentale. Le CFEF, 53 rue Capois, à côté de l'ambassade de France. Téléphone 22 26 42 07. 22 26 42 07. Béga, entre petite. Ah, ça passe, ça réglé. Ah, on connaît. De nan j'en nan l'amba, c'est ouais, ou qui miracle. Et puis, toi, tu m'as dit là, oui. Garde nous que je vais casoumi. Quatre chiens ou belle, quatre chiens ou bouclé. Et pas avant d'être tout calé rose. Sans te comprendre. Comme si, ou pas contre sérum nat. Ça que sérum nat là. Bon, moi, je t'en explique ou. Qui te m'dire, sérum nan, c'est un produit dans la gamme natin qui est très efficace. Qui bon pour tout type d'alopécie ou gagne. N'importe côté et j'en cheveux manger, y a poussé. Ou besoin de fournir et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nat, li qui mire. Li sous tout marché, market, pharmacie et même dans quelques studios de Grécis qui n'a Delma 87. Chérie, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chérie. Vous entendez tout bagaille. On a lâché gamme nat. On allez. Oh! Kasumina le sérum nat. Première information nous portons pour les amis téléspectateurs, nous faisons connaître Viva nos coins des artistes de Pétionville. Tu as accueilli vendredi 27 mai passé à performance 3 artistes, Erika Jolui, Alexa Cherelus et Mackinson Brutus. Fleur de mai, c'est un baptême ça, concert ça a été déroulé en 2 parties avec diverses interprétations musiques pour te créer ambiance à quelques fanatiques qui étaient présents. N'a suivi un reportage à Nixon Daverman avec Laurent Dali Jean-Jacques. Pour soirée ça qui déroulé sous thème Fleur de mai,
Quand des artistes à Pétionville te tournent un espace pour faire fanatique musique qui te fait déplacement danser. Avec performance, toi artiste Sayo, Erika Jean-Louis, Alexa Chirelus, et Mackenson Brutus, c'est tout occasion pour honorer toute maman sous terre d'Haïti. En force soirée et animée avec performance artiste Mackenson Brutus dans diverses interprétations li dans industrie musique là. Réaction à l'évolution musique là en Haïti, Brutus mentionné, rêve-lui ses produits plus. Pour faire outil ça, vignon élément important dans le changement société. C'est musique qui est intégrée dans moi, parce que je fais musique depuis petit, depuis petit monde, parce qu'on a quel âge, je commencé. Mais c'est pas un marché qui est trop facile, mais la victoire, c'est à monde qui persévère. Donc, je kembe, je travaille, autant que je améliore le travail. Chaque jour, plus pour me capable de jouer un succès. Quand des artistes vivent à nous, dans Pétionville, depuis quelques temps, c'est un espace qui permet au public d'en divertir et puis aider le découvrir en pile talent dans le monde musical là. Merci Daverman, merci l'Aurore. L'autre information toujours à souhait dans la fenêtre là, nous faisons connaître deux poètes haïtiens, Witensky Lovens et Argent Jean-Marie, qui ont livré qui titré une après l'autre Brûler les ténèbres à croche, ses premiers poèmes voués déjà, remportés dans deux catégories, première édition Prix international de l'invention poétique et de la traduction langue créole, samedi 28 mai 2022, dans l'occasion Festival international Mes Poésies dans le pays Martinique. Programmation faite après un vote côté tout comité a qui était gagné en tête li Lionel Trouillot t'est voté pour deux poètes yo. N'a pas rappelé prix international de l'invention poétique et de la traduction langue créole qui était faite en baptême parler la poésie, c'est une initiative association littéraire Balisay mettait sous pied pour tout poète qui gagne 25 l'année pour pipiti. L'autre information, institution Mère Marianne de Pétionville réalisée dans le local lieu dimanche 29 avril, là, 29 mai, yon festivité dans l'occasion fête maman. Activité si la fête en baptême, honorons les mamans. Élèves dans diverses classes dans l'institution ont dansé, chanté, joué instruments, récité poésie en présence parents qui ont fait déplacement avec divers invités dans souci pour montrer résultat activité parascolaire et puis honorer maman qui était dans assistance là. Nous suivons avec Garo Saint-Ilus et puis Laurent Dali Jean-Jacques pour un reportage. Plusieurs parents, amis, élèves ainsi que Marie-Anne de Pétionville te réunis dans le local l'école là dans l'idée pour participer à la célébration qui fait pour honorer maman.
activité c'est la fête en baptême honorons les mamans. Animation DJ, performance diverses élèves dans l'institution, honorer quelques parents, c'est ensemble éléments qui fait partie programme nan pou jounen. Élèves qui sortent dans NS1 pour arriver dans NS3 et interpréter Zev Oswald Durand. Complète de ce. Oh, pourquoi suis-je noir? Lorsque Dieu m'a jeté dans l'esprit de ma mère, pourquoi la mort jalouse est si content de moi d'un cru tellement le fait de la terre? Quand libre oiseau vole et rédit ses couverts, quand libre vos souffrances de son caprice, quand responsable institution Simon Marie-Anne a coordonné fête là professeur Augustin Luc Doris Junior fait connait programme ça c'est un ramasser activité préscolaire qui fait dans souci pour honorer maman yo je ça qu'on fait chaque année activité nous gagne aujourd'hui c'est juste pour nous honorer maman yo nous honorer maman yo à partir des activités culturelles avec des montages de textes avec des danses avec notre orchestre qui est à l'école. Donc, c'est une façon d'honorer les mamans malgré on vit une période très très difficile, mais on essaie d'envoyer un brin d'espoir à l'égard de nos mamans. Cette activité même c'est honorons les mamans. C'est une activité que nous toujours organisons dans date ça, non seulement pour honorer les mamans, mais pour nous mettre tout ensemble de talents que l'école a gagné pour nous mettre en vie. Il y a de cela 3 ans depuis qu'on organise cette activité. Et bien sûr, nous comptons continuer. Et première année, nous avons joué en les 10 hommes noirs de Diaville. Bon, le fait qu'à l'école qu'il y a des filles, nous avons joué, nous avons porté une petite modification, c'était les 10 femmes noires de Diaville. Par la suite, c'était Choukoun d'Ozoa Durand. Ça permet que si nous avons une œuvre haïtienne mieux. Ça permet de dire qu'on est au mieux parce que nous exigeons que tout le monde qui a participé, tout acteur, tout actrice, que l'œuvre est vieux. Décision Marie-Anne de Pétionville, cassez rendez-vous l'année prochaine. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Et spécialement pour mes mamans. Merci, Laurent. Merci, Garo. Et c'est là, amis téléspectateurs, on apprend deuxième pause nous. Pas déplacé, on apprend tourner avec l'autre information, toujours sur Télévision Nationale d'Haïti, dans la Calfinette Littérale. Bega, entre petit. Ah, ça passe, ça réglé. Ah, ou konne, de nan zon nan la mba, se wè ou ki mirak. Et puis, soti mbral soti la, oui. Gade nan gache Bega soumi. Gade chè ou bel, gade chè ou boukle. Et pas avant, le datou kade woz. Sante kopran, comme si, ou pa konne sérum nat. Sak sérum nat la. Bon, mouen, chita m'explique ou. Kite m'dire, sérum nan, c'est un produit nan gam nat lan ki très efficace. Qui bon pour tout type d'alopécie ou gain n'importe côté et Jean Chevaux au manger y a poussé ou besoin de fournir et venir rapide tout pas hésiter sérum là liquide li sur tout marché market pharmacie et même dans quelques studios de grossiste qui dans Delma 87 chérie vin tande ou pas besoin parler chérie m'tande tout bagaille on a lâché comme nat on allé oh kasumi n'allé sérum nat. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité et attention. On va poursuivre avec information qu'il tire lieu. La fois qu'on est responsable organisation filles à besoins spéciaux pour la réforme, inauguré un local tout neuf vendredi 27 mai dans Crissois. Senti la gagne une bibliothèque avec une salle informatique qui disposait tout moyen nécessaire pour faciliter formatif filles qui gagne difficulté faire recherche. Responsable prévoit faire formation pour tout monde qui parle bien ancien. Yo manière pour aider yo utiliser tout service qui gagne dans nouveau local là. Dans occasion responsable centre Nirva Saint-Louis t'es profité parler sous différents projets yo tamen dans tête collé avec National Democratic Institute Wanamet Fort Liberté à Ferrier ces différentes zones dans département Nord-Ouest là qui gagne pour recevoir un centre en coup par Port-au-Prince là. FIBES avant tout c'est une organisation de femmes actifi handicapées.
Donc nous travaillons sous plusieurs aspects, sous formation pour former avec Tifio, nous fait des plaidoyers, des sensibilisations. Donc sans ça que nous avons inauguré jeudi à son espace que côté nous offrit une bibliothèque qui bientôt va l'adapter pour non voyants. Nous offrir un espace informatique côté jeunes, étudiants, tout le monde, parce qu'avant tout, nous sommes une organisation inclusive, côté tout le monde capable d'utiliser, de faire des recherches, de travailler. Et puis, nous offrir un espace culturel, tout. Côté nous parlons des espaces d'ateliers de danse, de peinture, de théâtre. Donc, en fait, c'est en gros ça que nous avons inauguré jeudi là, espace Fibes là. Côté nous gain toute activité ça et tout espace de travail ça côté nous bail ça l'informatique là j'aime dire là qui pourrait permettre des formations en informatique adaptées pour non voyants parce que nous maintenant organisation nous gain des membres qui non voyants et nous ouvrir espace informatique là à d'autres monde qui a problème visuel. Nous pas seulement à Port-au-Prince nous à Wanametou, un projet qu'on a réalisé ensemble avec support ambassade de la France et puis support technique Acted. Projet ça c'est n'a réalisé le plus sous zone transfrontalière, c'est-à-dire Wanamet et Folliberté et Ferrier. OK. Donc projet ça son projet surtout pour aider femmes avec tifi qui victime violence dans zone transfrontalière faire des formations d'estime de soi pour eux. Et ensuite, l'autre volet de formation, c'est faire des formations en entrepreneuriat qui permettent de gérer à l'avenir de petits commerces qui auront gagné à travers le projet ça qu'on a réalisé. Le message pour le grand public, là, c'est faire connaître que la cause que nous avons défendue et la cause du handicapé, surtout pour les femmes avec les filles, c'est cause tout le monde lié. Parce que tout le monde a appelé, bon, ce n'est pas seulement souhaité ou mon vie handicapé, mais ça arrive à n'importe monde, à n'importe moment que vous vivez handicapé. Donc, c'est sensibiliser à travers cause ça. Et puis, mettez-moi ensemble pour nous voir qui ça nous a fait parce que ça concerne nous tous. Centre d'art contemporain Frémer Femed, qui trouvé dans la ville Amsterdam, dans les Pays-Bas, accueilli mercredi 25 mai 2022 à yon vernissage exposition qui portait nom raconter les mémoires haïtiennes. Exposition ça disponible jusqu'à 1er juillet 2022 dans Frémer. C'est yon premier dans cadre yon série qui pourra le faire en Europe côté Zev plusieurs photographes ak photojournalistes tankou Edine Célestin, Fabienne Doucet, Georges Harry Rousier ak Mackinson Saint-Félix. Et puis, trois évatistes, plasticien Tessa Mars, a exposé. Dans l'occasion, exposition ça, Fondation Connaissance et Liberté Focale, dans tête collée à collectif deux dimensions K2D, produit plusieurs versions audio sous Zev Sayo qui est disponible sous site mémoirecasal.com. Casal, c'est un projet photographique qui retrace mémoire massacre qui était fait dans l'année 1969 dans la localité Casal sous dictatif François Duvalier. Et c'est là que nous mettons fin à l'information pour aujourd'hui. Merci pour ce que tu as suivi. Avant nous aller, que nous rappelons le grand titre nous déposer pour asseoir. Deux poètes haïtiens, Witensky Lovens et Argens Jean-Marie, qui gagne Livio qui titre une après l'autre Brûler les ténèbres, accroche ses premiers poèmes voués déjà, remporté dans deux catégories, première édition, prix international de l'invention poétique et de la traduction en langue créole, samedi 28 mai 2022, dans l'occasion Festival international Mes Poésies dans le pays Martinique. Honorons les mamans, c'est un baptême ça, institution mère Marianne de Pétionville, réalisé dans le Calio dimanche 29 mai, il y a une festivité dans l'occasion Fête Maman. Diverses prestations danse, chant, récital, instruments, avec déclamation poésie, t'es exécuté dans l'occasion, sous initiative élève l'école, en présence plusieurs parents qui t'ont fait déplacement. Responsable organisation Filles à besoins spéciaux pour la réforme, inauguré. Il y a un local tout neuf vendredi 27 mai à Crissois. Senti la gagne une bibliothèque avec une salle informatique qui disposait tout moyen pour faire recherche. Merci pour ce que tu as suivi. Toujours songer brancher télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde, c'était un plaisir. À la prochaine pour une autre édition Fenêtre culturelle.